région. Sauf que votre décision, elle aura forcément un impact, des conséquences sur les futurs fronts républicains à mener ou pas lors des prochaines échéances électorales et notamment lors de la prochaine élection présidentielle. C'est en restant au combat qu'on défend le Rassemblement national. C'est en restant au combat qu'on défend le Rassemblement national. Monsieur Jean-Laurent Félicia vient de faire un lapsus révélateur. C'est sciemment qu'il reste au second tour pour donner une chance au Rassemblement national de remporter les élections dans la région PACA. Il le dit de sa propre bouche. On remet le passage. Sauf que votre décision, elle aura forcément un impact, des conséquences sur les futurs fronts républicains à mener ou pas lors des prochaines échéances électorales et notamment lors de la prochaine élection présidentielle. C'est en restant au combat qu'on défend le Rassemblement national. C'est pas en s'effaçant, c'est pas en fuyant, en... On a bien entendu, c'est en restant au combat que nous défendons le Rassemblement national. Donc, Monsieur Jean-Laurent Félicia avoue de lui-même que c'est sciemment qu'il reste au second tour afin, non pas de faire un front républicain contre le RN, mais pour faire élire le RN.